La première demi-finale chez les Boys 2005-2006, ça resserre dans les extérieurs avec Baptiste Joux qui coupera l'avantage. La deuxième place pour le pilote de Coup Demandeur, Mézine Guillot, en deuxième position. Quant à la troisième place, il me semble que c'est Mathis Burgel, le free bike d'Empierre-Roi, bien positionné là pour aller chercher sa place en finale. Il y a Jules-Édouard Catté, il me semble, bien placé également en quatrième position. Mais attention, Tony Roturier qui tente de revenir. Et également le pilote et qui porte la plaque 40, c'est bien sûr Théo Bardet. Théo Bardet, Jules-Édouard Catté. Théo Bardet, Jules-Édouard Catté, ou très serré entre ces pilotes, c'est Jules-Édouard Catté ou Tony Roturier même.